Les modos! Il est quelle heure? Mais qui note ça comme ça là? Ouah, les modos qui font n'importe quoi! Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Tac, tac, voilà, là c'est mieux là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tac, voilà là. C'est qui a noté l'heure que je l'engueule? C'est Plisken. À tous les coups, c'est Plisken. C'est ça? Plisken! J'ai juste besoin de l'heure d'entrée par sujet. Pas l'heure de sortie ou quoi que ce soit. C'est... Non, il est pas 12h12, il est 23h15. Non, 16. Oh putain, on s'est compris. Waouh, il y a quelqu'un qui a cliqué sur la VOD et qui se dit waouh, il a besoin de nous et tout, mais il me dit rien. Oh là là. Noble Chase de distant, j'ai besoin de vous. Voilà. Comme ça, comment s'appelle le sujet est lancé, si tu veux. Insane. J'ai besoin de vous. C'est moi, chef, désolé. Mais mon cher Greg, tu es pardonné. Plisken, j'étais à l'œil. Le pauvre, il a rien fait. On va encore pouvoir faire des sujets en mode Chazel maltraite ses modos. Oh loulou, hein. Bref. Du coup. Non, pas après la nourriture vue. Non, mais j'ai besoin de vous. Mais mon Pliscou, il sait que je l'aime. Qu'est-ce qu'il a? Comment ça s'appelle? Et le qu'est-ce qu'il a, c'était pour Youmagine. Non, non, j'ai besoin de vous. Sincèrement, j'ai besoin de vous. Et en plus, c'est pour un nanar. Donc, du coup, normalement, vous allez pas râler, hein. C'est pour un nanar. C'est pour la bonne cause, non? C'est pour la bonne cause. La dernière fois. D'ailleurs, c'était avec Pliscou. Comment ça s'appelle? Ouais, Plisken, je vais t'appeler Pliscou maintenant. Comment ça s'appelle? La dernière fois, on est en train de chercher et tout. Comment ça s'appelle? Des nanars et tout pour... c'est toi le nanar? Ça va, oui, quand même. La dernière fois, on est en train de chercher... mais t'inquiète, Yuma, hein, je saurais te... Je saurais, comment s'appelle, te convaincre. Comment s'appelle? Oui, là, on parle, Anya. La dernière fois, on était en train de chercher des nanars. D'ailleurs, merci infiniment, noble Anya, si tu veux, pour toute la liste de nanars que tu nous as envoyé. On se fait une petite playlist et tout, tu sais, en mode... Bon, bah, écoute, là, au moins, on sait où piocher. Et on tombe sur, comment s'appelle, un titre de nanar qui avait fait son petit buzz, comment s'appelle, à l'époque où le film était sorti et où il avait été produit, si tu veux. Le film s'appelle Velocipastor. C'est un mélange entre un pasteur et un Velociraptor, tu vois. Et là, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, si tu veux. C'est ta gueule, roi des ombres. C'est le meilleur nanar Res Matrix 4, mais ferme ta gueule, tu veux. En plus, tu suis One Piece. Tu lis les arcs de One Piece qui servent à rien. À quel moment t'as le droit de parler de Matrix 4? C'est respecte-toi. Regarde des vrais shonen, regarde des vrais mangas. Mais arrête de passer ton temps sur One Piece. En plus, t'auras jamais la fin. Nous, au moins, on a la fin dans Matrix. du coup, comment ça s'appelle? On essayait de trouver, comment ça s'appelle, le film pour plusieurs raisons. Donc, on va y aller progressivement et tout. Je vais, comment ça s'appelle, vous montrer le cheminement de pensée. Parce que... Enfin, wow, tu te calmes. Et on va faire les choses bien. Parce qu'il faut, il faut que vous compreniez dans quel état j'ai été, en fait. Il faut que vous compreniez pourquoi, en fait, je veux retrouver ce film. Pourquoi on a un problème. Et qu'est-ce qu'il en retourne. Alors, premièrement, on va demander à Allociné de nous donner le synopsis. Alors, Velocipastor. Après le décès de ses parents, un jeune prêtre se rend en Chine. Il hérite d'un pouvoir qui le rend capable de se transformer en dinosaure. Horrifié par cette faculté, l'homme d'église veut à tout prix s'en débarrasser. Une prostituée le convainc cependant à utiliser cette force afin de combattre le crime et les ninjas. On est d'accord. C'est génial, monsieur. Et donc du coup, comment s'appelle? Je suis en train de chercher et tout, comment s'appelle, des scènes du film, tu vois? Et je suis tombé sur une scène. Je vais vous montrer la scène. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai glitché. La scène en question intervient au tout début du métrage. Et c'est la scène de la mort des parents de notre protagoniste. Attendez, bougez pas, je vous montre ça. Tac, 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 tac. Alors, vous allez voir, jeu d'acteur incroyable. Jeu d'acteur incroyable... réalisation parfaite.
Bref. Donc, ceci est notre héros. Regardez-moi ce sourire bené. Donc ça, c'est ses parents, tu vois. La vie est paisible et tout, tu veux. Voilà. Mom and Dad! Voilà, donc, la situation est simple. Les parents sont à côté d'une voiture. On est bon? Attention, le drame survint. Voilà, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là où je me suis dit « Ok, il faut qu'on mate ce film. » Parce que n'importe qui aurait mis, comment ça s'appelle, une voiture en feu. Eux, ils se sont dit « On n'a pas le budget. » On va marquer VFX 2 points. VFX, pour ceux qui ne savent pas, c'est effets spéciaux. Effets spéciaux 2 points. Voiture en feu. Donc du coup, tu sais, moi, je suis dubitatif, tu sais, donc je regarde la scène. Le carton revient, bien évidemment. Non. Trois fois, parce que deux, c'était pas suffisant. Non. Je dois vous avouer que ce plan-là me fait terriblement rire. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de travelling vers le haut, là, je... Enfin, c'est... Voilà, je sais pas trop ce qui se passe, tu veux, c'est... Mais donc, du coup, là, je dois t'avouer, moi, je vois cette scène, je fais « Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un outil de promotion et tout, si tu veux. Enfin, ça peut pas être ça dans le vrai film, si tu veux. C'est pas possible. » Et donc, du coup, comment s'appelle bah, j'ai trouvé le vrai film. Donc, du coup, comment s'appelle, vérifions si c'est bien la même scène. Rated X. Oh, putain, le troll de l'espace. This is the greatest point we can learn. Ah bon, ouais, ok, très bien, très bien, très bien, très bien, vas-y, tu fais... Voilà. Donc, on y est enfin. La scène, J'ai pas de mots pour la décrire, tu veux, c'est... T'as attendu, dira-t-on ? Mom and Dad! Voilà, donc c'est vraiment le cas dans le vrai film, tu veux. C'est réellement le cas, tu vois. C'était pas genre, oh mon dieu, on n'a pas fini le film, comment s'appelle, avant la promotion. Non. Comment s'appelle, eh bien, mon son, c'est le premier. C'est vraiment le cas dans le vrai film, tu veux. Donc du coup, il faut absolument qu'on trouve ce film. Mais alors, je sais... que certains d'entre vous sont encore réticents. Je sais que certains se disent « Raton, c'est pas mal comme argument, mais est-ce que t'as mieux pour me convaincre ?» Bien évidemment. Bien évidemment que j'ai mieux pour te convaincre. Bien évidemment. Ce plan est incroyable. Hein. You're lying! Voilà, voilà. C'est... Là, je peux pas plus vous convaincre. Vous avez vu son petit saut? Il est tout mignon, son petit saut. C'est parfait, franchement c'est parfait. Regarde, il y a un trou dans le costume. Il y a un trou dans le costume. Ou alors c'est son cloaque, je sais pas, étant donné que c'est des ancêtres des oiseaux. Donc du coup j'imagine que les T-Rex n'avaient pas de tub et les Vélociraptors non plus, mais qu'ils avaient des cloaques.
Non, c'est incroyable. Non, c'est fabuleux. Je sais pas pourquoi l'autre il a sauté là. Je... Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai besoin d'aide. Parce que on est face à une situation où... ouais, il lui a fait un RKO. Ouais, tout à fait. J'ai besoin d'aide. C'est-à-dire que... comment ça s'appelle j'arrive pas à savoir s'il y a une version française de ce film-là. J'arrive pas à savoir s'il y a une VF. Et... ou au moins une version VOSTFR, tu vois. Donc, si l'un d'entre vous... Donc, du coup, je repasse en grand, hein, bien évidemment. Je suis désolé. Hein, moi aussi, je préférais avoir... comment ça s'appelle cet incroyable costume plutôt que ma gueule. Mais du coup, j'ai besoin de vous, noble Chase Listan, que ce soit vous, noble Kikien, ou vous autres, noble YouTubien, même si vous avez un peu de retard en regardant ces vidéos. Hein, il est possible que quand cette vidéo sorte, les Kikiens aient déjà trouvé, comment ça s'appelle, soit une version française, soit une version VOSTFR. Mais du coup, comment ça s'appelle, tu fais une version 4K? Mais si on a une version française, je fais une version 8K si vous voulez, il n'y a pas de souci. Comment ça s'appelle? J'ai besoin de vous. Il faut qu'on trouve ce putain de film pour qu'on puisse se le mater. Donc du coup, voilà. Si l'un d'entre vous arrive à tomber sur une version française ou VOSTFR, faites-moi signe. Faites-moi signe. Le nom du film, c'est The Velocipastor. Ça s'écrit V-E-L-O-C-I-P-A-S-T-O-R. Attendez, bougez pas. Il doit y avoir un écran titre, non, là-dessus, là. Il doit y avoir un écran titre. Montre-moi ça. Voilà. Voilà. Magnifique écran titre. Quoi? Voilà. Voilà, 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 voilà. Le titre du film, c'est The Velocipastor, si tu veux. Un mélange habile entre Velociraptor et Pasteur, du coup. La légende urbaine raconte... que, comment ça s'appelle, sinon le double, le redouble chef, oui, pourquoi pas, mais alors du coup il faudrait le script et tout le bordel, la légende raconte que c'est le correcteur automatique du réalisateur qui a écrit ce mot-là à la place de Velociraptor, vu comment marchent les correcteurs automatiques actuels, je reste dubitatif face à cette, comment ça s'appelle, légende urbaine. Mais soit. VOSTFR, zéro souci. VF, j'ai pas vu. Alors, écoute, au pire, envoie VOSTFR. Mais une VF, ce serait incroyable. Imagine une VF de ça, si tu veux. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. C'est en ça que j'ai besoin de vous, noble Chase Listan, et que j'implore votre aide, s'il vous plaît. Sur ce, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à vos amis YouTubiens. YouTube, tu peux toujours liker, commenter, t'abonner, partager, faire ce que tu veux, goum l'algo et tout le bordel. Rejoins-nous sur Kick, tu vois bien qu'on passe le bon moment, si tu veux, c'est incroyable. Du coup, si l'un d'entre vous arrive à tomber sur une VF, et quand bien même il faudrait acheter un Blu-ray en import à 40 balles, j'en ai rien à branler, je l'achète. Je m'en fous complètement. Un Blu-ray, une VHS, un DVD, un Laserdisc, une cassette Betamax, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Bref, on se retrouve rapidement pour, comment ça s'appelle, voir ça en live et tout sur YouTube. Malheureusement, si tu vois cette vidéo, tu n'auras pas le droit au React sur YouTube parce que... Parce que le bot, hein, bien évidemment, hein, c'est chut, oui, je sais, le bot, il va pas faire chier pour ça, mais chut, comme ça, ils viennent avec nous, chut. Bref, du coup, on est bon, hein, voilà, on est bon. Allez, ciao YouTube, comment on coupe cette merde? Alors, bah, c'est comme ça qu'on coupe cette merde.